make it a better place. It'll take creation, imagination. Try to draw outside the line. Let us see inside your mind. You'll find inspiration. All I'm saying is you can do it. I wanna hear you say. Bonjour et bienvenue sur Évasion Créative. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec, comme chaque semaine, un nouveau projet à vous proposer. Aujourd'hui, il ne s'agit pas d'un seul projet à proprement dit, mais au contraire toute une série, puisque nous allons travailler autour d'un set de tampons. Set de tampons qui est disponible en cadeau célébration, que vous êtes nombreuses à apprécier, mais ne savez pas forcément comment l'utiliser. Aussi, et suite à de nombreux messages que j'ai reçus de la part de certaines d'entre vous, je vous retrouve aujourd'hui pour utiliser ce superbe set de tampons, et vous allez voir que nous allons réaliser ensemble toute une jolie série de cartes que vous allez pouvoir utiliser tout au long de l'année. Il s'agit de 3 cartes qui ont été réalisées exactement de la même manière, mais dans des teintes différentes, et à chaque fois, j'ai marié 2 couleurs dans chacun de nos camaïeux, ici un camaïeux de gris, de violet et de bleu, et nous allons réaliser ensemble une petite technique de colorisation concernant notre superbe tamponnage de bouquets de fleurs qui se trouve au niveau du centre. Ce sont des cartes, vous allez le voir, relativement simples et rapides à réaliser, mais pour autant très classe, qui changent de ce que l'on a l'habitude de voir, justement grâce à ce set de tampons très original, et qui va pouvoir vous permettre de réaliser par exemple des cartes à l'avance si vous souhaitez toujours en avoir sous la main pour envoyer tout au long de l'année à diverses occasions. Sur la base, nous retrouvons pour chacune de nos cartes un papier à motif avec un effet marbré sur le fond. Vous allez voir, il est juste magnifique. Et sur lequel j'y ai apposé pour chacune d'entre elles un panneau dans une teinte un peu plus claire que la base de notre carte, sur lequel j'ai réalisé une superbe bordure fausse couture, très stylisée. Et enfin, nous retrouvons au niveau du centre notre joli bouquet de fleurs qui a été colorisé au niveau des fleurs dans une teinte plus claire que la base de notre carte. Nous retrouvons nos 2 petites abeilles de part et d'autre de notre panneau. Ici, un petit message, tu me fais sourire. Et enfin, pour chacune d'entre elles, quelques bijoux qui ont été coordonnés à la couleur de chacune de mes cartes. Ici, pour notre projet du jour, vous l'aurez compris, c'est justement ce superbe ensemble de fleurs au niveau du centre qui apporte toute l'originalité à chacune de nos cartes. Et nous allons réaliser à nouveau 3 cartes aujourd'hui pour avoir une série de 6 cartes. Vous allez le voir, complètement différentes les unes des autres et pour autant réalisées avec la même décoration. À l'intérieur de chacune de nos cartes, nous retrouvons à nouveau un panneau avec notre superbe bordure fausse couture tout autour, et le rappel de notre bouquet de fleurs avec cette fois-ci un superbe feuillage qui apparaît en bas de chacune de nos cartes et dans chacune des couleurs différentes. Donc, si ce projet de cartes en série vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Réalisé ici en couleur gris souris et ardoise bourgeoise, ou en couleur horizon de bruyère et grappe gourmande, et enfin en couleur mystérieuse brume et béguin bleu, aujourd'hui, et comme d'habitude pour notre projet du jour, nous allons changer de couleur et nous allons à nouveau réaliser aujourd'hui ensemble 3 nouvelles versions dans 3 couleurs différentes. Vous le voyez, des couleurs fraîches et vives qui nous font particulièrement penser à la période estivale. Et nous allons les réaliser donc en couleur beau bourdon, Copacabana et enfin flamant fougueux, que nous allons associer à une autre couleur pour chacune d'entre elles, une teinte un petit peu plus claire qui va elle apparaître sur le haut de notre carte et qui va accueillir notre tamponnage. Pour réaliser la base de chacune de nos cartes, vous allez avoir besoin d'un morceau de papier uni qui mesure 11 cm par 29 cm. Pour réaliser le superbe panneau qui va prendre place à l'avant de chacune de nos cartes et qui va accueillir notre joli tamponnage, vous allez avoir besoin d'un panneau, cette fois-ci beaucoup plus petit, dans une couleur différentes, mais pour autant à chaque fois dans le même camaïeu de couleur, mais vous le voyez, une teinte un petit peu plus claire. Ici, pour notre couleur flamant fougueux, nous allons le coordonner avec notre couleur fleur de cerisier. Pour notre couleur Copacabana, nous allons le coordonner à notre couleur piscine party. Et enfin, pour notre couleur peau bourdon, nous allons le coordonner avec notre couleur tellement safran. Et c'est justement grâce à ce dégradé de couleur que nous allons obtenir un joli rendu.
Pour réaliser donc ces cartes, vous allez avoir besoin de 3 morceaux de papier unis qui mesurent 9 cm par 12,5 cm. Vous allez ensuite avoir besoin de papier à motif. Papier à motif qui va prendre place juste en dessous le panneau que l'on va décorer et qui va justement le faire ressortir. Aujourd'hui, et comme pour mes 3 précédents projets, nous allons utiliser cette superbe collection de papier à motif qui se nomme Beauté Marbrée et qui est disponible en cadeau célébration jusqu'au 28 février. Vous allez pouvoir choisir ce cadeau gratuitement avec une commande de 60€ d'achat hors frais de port. Et c'est une collection, je vous l'avoue, que j'affectionne particulièrement avec ses superbes effets marbrés. Dans chacune de nos couleurs, nous retrouvons donc 6 couleurs différentes à l'intérieur de chaque paquet. Et nous allons justement utiliser les mêmes teintes que ce papier à motif pour réaliser chacune de nos cartes. Ici, comme vous pouvez le voir, nous retrouvons notre version Grappe gourmande et Horizon de bruyère. Ici, nous retrouvons notre version Ardoise bourgeoise et Gris souris. Et enfin, pour ma troisième version, nous retrouvons notre couleur Béguin bleu et enfin Mystérieuse prue. Et aujourd'hui, pour nos 3 nouvelles versions, nous allons utiliser notre papier juste ici en couleur Beau bourdon, Flamand fougueux et enfin Copacabana. Et nous retrouvons au verso de chacun des papiers à nouveau un effet marbré mais complètement différent et à chaque fois dans nos 6 couleurs différentes. Une collection que vous allez pouvoir utiliser tout au long de l'année mais également à adapter que ce soit pour un projet masculin, un projet féminin ou même des projets d'enfants. C'est vraiment une collection idéale à avoir dans son atelier. Et pour décorer chacune de nos cartes dans nos 3 couleurs différentes, nous allons avoir besoin de 3 morceaux de papier à motif qui mesurent chacun 10,5 cm par 14 cm. Et enfin, pour en terminer avec nos morceaux de papier, vous allez avoir besoin d'un panneau en couleur blanc pour chacune de nos cartes que l'on va positionner à l'intérieur et qui accueillera notre petit message personnel. Et ce panneau doit mesurer 10,5 cm par 14 cm. Tout d'abord, première étape, nous allons réaliser une marque de pli dans la longueur de chacune de nos 3 bases de papier, dans la longueur donc des 29 cm et au niveau du centre, soit à 14,5 cm. Et je fais exactement la même chose pour mes 2 autres morceaux de papier dans mes 2 autres couleurs. Et je viens cette fois-ci faire correctement cette marque de pli à l'aide de mon plioir en os pour obtenir chacune de mes bases de cartes. Une fois ceci fait, nous avons nos 3 bases dans nos 3 couleurs qui sont désormais prêtes. Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons reprendre nos 3 morceaux de papier à motif qui mesurent 10,5 par 14 cm. Et nous allons les coller sur chacune de nos cartes dans la couleur correspondante, parfaitement au niveau du centre pour obtenir ce joli rendu. Une fois nos 3 bases de papier à motif collées sur nos bases unies, voici le joli rendu que nous obtenons pour chacune de nos couleurs. Vous le voyez, ce papier à motif est juste magnifique. Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons reprendre nos 3 morceaux de papier unis qui mesurent 9 par 12,5 cm dans une teinte un peu plus claire que la base de notre carte et nous allons réaliser notre superbe tamponnage au niveau du centre, notamment notre tamponnage de bouquet de fleurs avec un effet, vous allez voir, particulièrement original. Pour cela, prochaine étape, nous allons avoir besoin de notre set de tampons qui se nomme Calme de Camélia, un set de tampons tout nouveau qui figure dans la brochure Célébration et qui est disponible uniquement en cadeau avec une commande de 375€ d'achat hors frais de port, une commande assez conséquente, je vous l'accorde, mais il est tout à fait possible par exemple de regrouper tous ces achats de l'année en une seule commande afin d'atteindre ce montant, mais également pourquoi pas de regrouper votre commande avec celle de vos amis afin d'atteindre ce montant et de recevoir ce set de tampons gratuitement.
En plus de cela, vous allez obtenir bien évidemment tous les cadeaux célébration par tranche de 60 euros d'achat. Vous allez donc pouvoir obtenir par exemple cette superbe collection de papier également en cadeau, mais bien évidemment bien d'autres cadeaux, et c'est l'avantage justement de cette superbe période célébration. Nous retrouvons sur ce set de tampons deux tamponnages particulièrement originaux avec un effet très stylisé tout autour ici de notre bouquet de fleurs, ici un joli feuillage. Nous retrouvons également une petite arabesque pour apporter un joli rendu, mais également plusieurs tamponnages messages, comme par exemple « Que je t'aime »,« Bonne fête »,« De tout cœur avec toi »,« J'adore notre belle complicité »,« Tu me fais sourire », ou encore ce joli message que j'aime particulièrement, ce sont les petites choses qui rendent la vie si belle. Nous allons justement utiliser ce set de tampons, notamment pour ce superbe tamponnage que nous allons réaliser au niveau du centre de notre carte. Nous allons également utiliser le message « Tu me fais sourire ». Et enfin, pour décorer l'intérieur, nous viendrons utiliser ce tamponnage feuillage. Et justement, concernant notre superbe bouquet de fleurs, nous allons le tamponner parfaitement au niveau du centre de chacun de nos trois panneaux. Et nous allons le réaliser dans une teinte un peu plus foncée que le papier, à savoir exactement la même couleur que la base de notre papier, à savoir en couleur beau bourdon pour notre couleur tellement safran, mais également en couleur Copacabana pour notre couleur piscine party, et enfin en couleur flamant fougueux pour notre papier fleur de cerisier. Donc je réalise mes trois tamponnages parfaitement au niveau du centre de mes trois panneaux, dans mes couleurs différentes, et je vous retrouve juste après pour vous montrer plus en détail le rendu de ce superbe set de tampons, mais également pour lui apporter une petite décoration supplémentaire. Mon tamponnage réalisé sur chacun de mes panneaux, voici le superbe rendu que nous obtenons. Et cette fois-ci, nous allons ajouter une petite décoration supplémentaire à ce panneau, comme je l'ai fait pour mes trois précédentes cartes. Et pour cela, nous allons utiliser nos poinçons qui se nomment Fantasy surpiqué, qui se composent d'une pyramide de rectangles allant du plus petit au plus grand, et qui nous permet en fait de réaliser une jolie bordure. Ces poinçons ne nous permettent pas de découper, mais simplement d'embosser et d'obtenir une superbe jolie bordure fausse couture, comme je l'ai fait ici pour mon précédent projet, tant sur le panneau à l'avant qu'à l'intérieur. Je trouve que c'est une petite touche, mais qui apporte un très joli fini à nos cartes. Et je vais avoir besoin de mon avant-dernier poinçon en termes de taille, donc celui-ci, et je vais le positionner à l'avant, tout autour de mon bouquet de fleurs, pour obtenir ce joli fini sur chacun de mes panneaux. Et nous allons également avoir besoin de notre dernier poinçon, donc cette fois-ci le plus grand, que nous allons cette fois-ci positionner sur chacun de nos trois panneaux en couleur blanc et qui vont prendre place à l'intérieur de notre carte. Donc je passe tout ça dans la machine de découpe, je réalise mes bordures sur mes trois panneaux en couleur blanc, mais également sur mes trois panneaux ici avec nos bouquets de fleurs au niveau du centre. Et je vous retrouve juste après pour continuer notre projet et notamment ajouter une dernière petite touche à notre bouquet de fleurs, notamment coloriser toutes nos superbes fleurs avec une technique un petit peu particulière. Une fois chacun de nos papiers passé dans la machine de découpe, voici la superbe bordure que nous obtenons tout autour de chacun de nos panneaux dans nos trois couleurs différentes, et je trouve que c'est un petit détail mais qui change complètement l'aspect final de notre carte.
Et j'ai également réalisé cette fausse couture au niveau de nos panneaux, cette fois-ci en couleur blanc, qui vont prendre place à l'intérieur de notre carte. Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons apporter une petite colorisation au niveau de chacun de nos bouquets de fleurs pour apporter un rendu encore plus joli, comme je l'ai fait pour mes précédentes cartes. Vous le voyez que nos fleurs apparaissent dans un coloris différent et c'est justement cette petite technique que je vais partager avec vous aujourd'hui. Pour réaliser justement ce superbe effet qui apporte un petit côté artistique à chacune de nos cartes, nous allons cette fois-ci avoir besoin de notre encreur en couleur murmure blanc. Nous retrouvons donc une encre blanche effet craie à l'intérieur de cet encreur, mais nous allons également avoir besoin d'un crayon estompe. C'est un crayon qui nous permet de faire de la colorisation. J'ai d'ailleurs partagé avec vous il y a quelques semaines une technique un peu particulière avec ce crayon que vous avez beaucoup apprécié. Je vous remets le lien juste ici si vous souhaitez aller en prendre connaissance. C'est un crayon qui contient deux mines de pinceau d'un côté et de l'autre, exactement les mêmes, et qui contient à l'intérieur une solution liquide qui nous permet de réaliser de superbes colorisations sans pour autant avoir de connaissances particulières. Aujourd'hui, pour notre projet du jour, nous allons coloriser chacune des fleurs qui apparaissent au niveau du centre de notre tamponnage et nous allons justement les coloriser avec notre crayon estompe, mais également avec notre encreur en couleur murmure blanc. Pour cela, je vais commencer par mettre de côté mes deux panneaux et nous allons commencer par notre panneau en couleur Piscine Party et Copacabana. Je vais également positionner mon encreur juste à côté de moi et je vais avoir besoin de l'une des pointes qui sont identiques. J'en choisis donc l'une ou l'autre et je vais tout simplement venir chercher de l'encre directement dans mon pad d'encre. Donc je viens délicatement apposer mon crayon estompe et une fois que j'ai de l'encre sur la pointe, je viens la déposer directement sur mon papier au niveau de mes fleurs et comme vous pouvez le voir, nous avons notre encre blanche qui se dépose facilement grâce justement à la solution liquide qui se trouve à l'intérieur de ce crayon estompe. Et je fais donc l'ensemble de chacune de mes fleurs et si besoin, je n'hésite pas à revenir chercher de l'encre pour avoir le rendu que je souhaite. Et je fais la même chose pour chacune de mes fleurs sur tout mon tamponnage. Une fois mon encre blanche déposée sur chacune de mes fleurs, voici le superbe rendu que nous obtenons. Vous le voyez, ça change complètement l'aspect final de notre tamponnage. Et je vais faire cette fois-ci exactement la même chose sur mes deux autres tamponnages, dans mes deux autres couleurs, pour avoir ce si joli rendu au niveau de nos fleurs. Toutes nos fleurs colorisées avec notre encre en couleur blanche, voici le joli rendu que nous obtenons pour chacune de nos trois versions dans nos trois couleurs différentes. Tout ceci réalisé facilement et rapidement, simplement à l'aide de notre crayon estompe. Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons coller ces trois panneaux sur chacune de nos bases de cartes dans les couleurs respectives et je vais les coller en relief à l'aide de stampine dimensionnelle, parfaitement au niveau du centre de notre papier à motif. Une fois ces panneaux collés sur nos bases de cartes, voici le joli rendu que nous obtenons avec notre papier à motif effet marbré qui apparaît juste en dessous. Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons réaliser notre petit message qui va prendre place juste en bas de notre bouquet de fleurs.
Pour cela, nous allons reprendre le même set de tampons que nous venons d'utiliser et nous allons avoir besoin de notre petit message « Tu me fais sourire ». Je trouve que c'est un sentiment qui fait particulièrement bien passer le message que l'on veut transmettre et qui peut être utilisé sans occasion particulière. Et je vais tamponner donc ce message trois fois sur une chute de papier en couleur blanc et toujours avec les trois couleurs de notre projet, flamant fougueux, Copacabana et beau bourdon. Donc je tamponne et je vous retrouve juste après pour réaliser une jolie étiquette à positionner ici sur le bas de notre carte. Une fois nos trois messages tamponnés dans nos trois couleurs, nous allons cette fois-ci les découper. Pour cela, nous allons utiliser nos poinçons qui se nomment surpiqué rectangle et comme son nom l'indique, nous retrouvons à l'intérieur toute une collection de rectangles allant du plus petit au plus grand avec à chaque fois de la fausse couture tout autour. Et justement, pour découper notre petit message et réaliser une jolie étiquette, je vais avoir besoin de mon plus petit rectangle en termes de taille et vous le voyez qu'il correspond parfaitement. Je passe donc mes tamponnages dans la machine de découpe, je réalise mes trois étiquettes et je vous retrouve juste après pour les positionner sur chacune de nos cartes. Une fois nos trois étiquettes prêtes, avec notre fausse couture qui apparaît tout autour, je vais cette fois-ci leur ajouter au dos des mini stampines dimensionnelles et les coller ici sur le bas de chacune de mes cartes, juste en dessous de mon bouquet de fleurs. Une fois nos trois messages collés, positionnés, comme vous pouvez le voir, nos cartes commencent à prendre forme. Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons nous occuper de réaliser les deux jolies abeilles qui vont prendre place d'un côté et de l'autre de chacun de nos panneaux. Pour cela, nous allons avoir besoin de notre set de tampons qui se nomme tout naturellement au goût de miel et de ses poinçons coordonnés qui se nomment cette fois-ci fleurs butinées. C'est une collection que j'affectionne particulièrement et que j'ai d'ailleurs utilisée pour la réalisation de chacun des marque-pages qui ont accompagné vos catalogues. Nous retrouvons sur notre set de tampons plusieurs tamponnages d'abeilles dans différentes postures. Nous retrouvons également de superbes fleurs, mais également tout plein de messages avec une superbe calligraphie, comme par exemple « Quelle bonne nouvelle !»« Reste comme tu es !»« Bonne chance à toi !»« Notre famille est si précieuse !» Triste pour toi ou encore belle complicité. Nous avons également les poinçons coordonnés, fleurs butinées, qui nous permettent justement de découper tous ces superbes tamponnages, notamment nos trois abeilles, mais également nos jolis bouquets de fleurs. Et nous avons également du feuillage supplémentaire, très finement découpé, pour nous permettre d'agrémenter nos réalisations. Aujourd'hui, pour notre projet du jour, nous allons utiliser notre petite abeille juste ici, que nous allons tamponner deux fois pour chacune de nos cartes et découper avec notre poinçon coordonné. Et encore une fois, je vais réutiliser les mêmes encreurs que nous avons utilisées précédemment pour chacune de nos cartes afin d'avoir une coordination parfaite. Donc je tamponne toutes mes abeilles, je les découpe et je vous retrouve juste après pour les positionner sur notre carte autour de notre bouquet de fleurs à leur place naturelle. Une fois mes petites abeilles tamponnées et découpées, voici ce que nous obtenons en couleur beau bourdon, ici en couleur Copacabana et nous avons également notre version flamant fougueux. Nos jolies abeilles sont désormais prêtes à butiner. Nous allons pouvoir cette fois-ci reprendre chacune de nos cartes et les positionner en haut et en bas à l'aide d'un mini stampine dimensionnel. Une fois toutes nos jolies abeilles positionnées, voici ce que nous obtenons.
Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons nous occuper du panneau intérieur avant d'y ajouter les dernières petites touches finales. Pour cela, je reprends donc mes trois panneaux en couleur blanc qui mesurent 10,5 par 14 cm sur lesquels nous avons réalisé notre superbe bordure tout autour et nous allons, avant de les coller à l'intérieur de nos cartes, réaliser un tamponnage. Je reprends donc le même set de tampons que tout à l'heure, notre set de tampons calme de Camélia. Je vais cette fois-ci utiliser mon tamponnage feuillage et je vais le tamponner en bas de chacun de mes panneaux dans la couleur correspondante à chacune de mes cartes. Une fois mes feuillages tamponnés en bas de chacun de mes panneaux, voici ce que nous obtenons pour chacune de nos trois couleurs. Je vais pouvoir cette fois-ci reprendre chacune de mes cartes et coller à l'intérieur le panneau correspondant pour obtenir ce joli rendu. Donc je colle mes trois panneaux, je vous retrouve juste après pour ajouter les dernières petites touches avant d'en avoir terminé avec notre jolie série de cartes. Une fois mes panneaux collés à l'intérieur de chacune de mes cartes, voici ce que nous obtenons. Nous avons désormais l'espace intérieur pour pouvoir ajouter notre petit message personnel. Cette fois-ci, prochaine et dernière étape, nous allons ajouter quelques petits bijoux sur l'avant de chacune de nos cartes. Et comme pour mes précédentes cartes, nous allons adapter les bijoux en fonction de chacune des couleurs de notre carte. Tout d'abord, concernant notre version flamant fougueux et fleurs de cerisier, nous allons utiliser nos tout nouveaux bijoux cristaux du Rhin, cette fois-ci en version irisée. Ils sont juste magnifiques, ils brillent merveilleusement bien et je vais en ajouter 3 dans la version moyenne sur ma carte dans un camaïeu de rose. Concernant notre version Copacabana et piscine party, nous allons cette fois-ci utiliser nos bijoux cristaux du Rhin, mais cette fois-ci de la collection Joyeuse Fête, où nous retrouvons justement notre couleur Copacabana, et je vais à nouveau en positionner 3 sur l'avant de ma carte. Et enfin, concernant notre dernière version, dans un camaïeu de jaune, nous allons cette fois-ci utiliser nos bijoux carrés de la collection Incolor 2020-2022, et je vais utiliser mes bijoux en couleur beau bourdon pour être parfaitement coordonnés. Donc je colle chacun des bijoux sur toutes mes cartes et je vous retrouve juste après pour vous montrer le rendu final de notre série de cartes. Une fois tous mes petits bijoux positionnés, voici ce que nous obtenons ici pour notre carte dans un camaïeu de jaune. Nous avons également notre seconde version cette fois-ci dans un camaïeu de vert. Et enfin, notre troisième et dernière version, cette fois-ci dans un camaïeu de rose. Vous le voyez, trois cartes complètement identiques, mais pour autant différentes, grâce à tous ces camaïeux de couleurs. Voici donc notre jolie série de cartes, réalisées toutes avec les mêmes sets de tampons, mais pour autant complètement différentes, grâce à l'utilisation de tous ces camaïeux de couleurs. J'espère sincèrement et de tout cœur que ce nouveau projet créatif vous plaira et vous permettra de vous inspirer. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air. Moi, je vous souhaite une belle soirée. Surtout, prenez bien soin de vous et nous on se donne rendez-vous mardi prochain, même heure, même endroit, pour un nouveau projet créatif et dans seulement quelques tout petits jours, vendredi soir 20h, pour toutes mes clientes et mon équipe. Au revoir.